me sentais quoi. C'est ça les chaussures pour l'homme, fais ça chier. Mais sûr, elles sont à sa taille. Il y a des gens qui sont allés aux enfers sans être morts. Hercule l'a fait, Orphée l'a fait, mon père le fait tout le temps, bien sûr. Y entrer, c'est facile. Mais sortir, c'est plus délicat. Bien sûr, la carte. Ça, c'est la carte des perles de Perséphone. Perséphone ? Tu veux dire la femme d'Hadès ? Oui, il l'a forcée à l'épouser. Il la garde prisonnière. Une fois que tu as fait l'escalier, l'escalier absorbera de l'eau. Il faudra que tu sois son tour. Fais pas preuve de pour atteindre le cercle de feu. Les visiteurs secrets. Elle a caché des perles à leur intention dans le monde entier. Et ces perles, elles permettent de quitter instantanément les enfers. Vous pourriez vous en servir pour revenir. Et comment ça marche, ces perles ? Facile. Putain, ce jeu, ce film de merde. Tu écrases et tu visualises l'endroit où tu veux aller. Ah, c'est con, il y a un décalage, je suis désolé, j'ai pas vu ça. Cette carte vous guidera vers elle, juste là, c'est votre premier emplacement. Grande jardinerie de Tatienne. Quand vous aurez trouvé la première perle, la carte vous indiquera la suivante, et puis la suivante, et puis vous allez voir Hadès. Ce qui me fait penser que... Une protection supplémentaire... Bonsoir, bienvenue à toi, Indamtio. Mon bouclier préféré. Si j'étais vous, je reculerais d'un pas. Oh mon dieu. Je me fais harceler de SMS. Je ne comprenais pas pourquoi. Sachez, chers viewers, qu'il est minuit passé et que donc... Il faut que tu me promettes une chose. Nous allons fêter ensemble mon 35e anniversaire. Yeah. Et voilà, donc il est minuit 49, j'ai officiellement 35 ans. Et je joue avec Phoebe Lamy en regardant Percy Jackson et tout en buvant de la vodka avec de l'eau. Pardon, du Red Bull avec de l'eau. Vous êtes en moi vraiment besoin d'un sérieux Justine. Merci. Merci, monsieur, dame. Y'a quelqu'un dans ce gourbi ? Hop. Lise-moi ça, ils ont des sodas gratuits. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a autant de. D'accord. De bruit. Oh mon dieu. C'est pour ça que je reçois autant de conneries sur Facebook me souhaitant un bon anniversaire, je ne savais pas. Eh les mecs ! Eh ben merci, Hypnos. Santé à toi. Santé à toi. Tandis que revoilà la sous-préfète. Bonsoir, Vice. Vous avez vu ? Ah merde, j'ai déplacé la caméra. Des vrais drachmes en or. Alors, des quoi ? Sur la bonne piste. Des quoi ? Des drachmes. Comment on va faire pour trouver la perle ici ? Bonne question. D'accord, on se sépare. On explore tous les recoins. Bonne idée. Ouais. Et le Black va mourir en premier. Coucou. Donc la Bonas, c'est la fille d'Athéna. L'autre, c'est une satyre, mais qui a pas ses corps. Elle va arriver. Arrêtez pour demander votre chemin. Mon pauvre mari, aidez-moi. Je vous en prie, aidez-moi. Il y a des statues partout. Alors, je veux pas dire, mais à tous les coups, il doit y avoir Médusa. Regarde ça. On dirait mon oncle Ferdinand. Ferdinand. Ah, ça c'est dingue. Le grain de beauté à la même place. Non, c'est pas mon oncle Ferdinand parce que mon oncle Ferdinand a été tué par... Médusa. Médusa. Oh. Médusa. Percy ! À la belle ! On a un souci ! Robert ! Oh là là. Rassurez-moi, ce film a fait un flop. Il faut partir avant qu'elle nous trouve ! Qui va changer mon mari en pierre ? Robert ! Où tu te caches ? Percy ! Bref, j'ai un jeu à finir. Bon, c'est parti. Allez. J'ouvre mes chakras. Ah non, je voulais changer les boutons. Bienvenue à toi, Indalcio, ainsi qu'à tout le monde que je ne connais pas. Soyez les bienvenus, asseyez-vous. Oh mon dieu, c'est pas Médusa, ça. Vous dites pas que c'est Médusa.
surprise. C'est pas Uma Thurman quand même, ne dites pas que c'est Uma Thurman. C'est extrêmement réconfortant d'avoir d'aussi jeunes visiteurs. C'est Uma fucking Thurman ? N'est-ce pas ? C'est pour cela que je crée mes statues. Elles sont ma seule compagnie. Fille d'Athéna, comment vous me connaissez ? Non. Tu as des cheveux d'une beauté révoltante. Autrefois, j'ai eu des cheveux comme cela. Et j'étais courtisée et désirée par de nombreux prétendants. Oh, c'est pas possible. Cela a changé. Attends, dans ce putain de film, on a Pierce Brosnan en centaure. Femme qui m'a jeté ou Thurman en méduse. Et qui m'a transformée. Fermez les yeux. Oh mon dieu. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Alors j'espère que vous trouverez mes yeux. Oh, désolé. C'est très mal élevé d'éviter de regarder une personne dans les yeux. Plongez votre regard dans le mien. Non mais là c'est ahurissant. Uma Thurman joue bien. Mais toi n'ouvre pas les yeux, connasse. Guéricole. Uma Thurman, mais putain, mais... Comment on peut combattre quelqu'un qu'on peut pas regarder? On peut regarder son reflet. Attends. Regarde ça. Ouais, bonne idée. Oh mon dieu, avec un iPhone. D'accord, je m'occupe de Méduse. Ça marche. Tu enrichiras merveilleusement ma collection. Non, mais c'est pas possible, quoi. Nous serons amis pour toujours. Mais c'est pas possible. Tu permets? Et ils ont payé combien de milliards de dollars pour jouer dans cette merde? Bon, c'est pas tout ça. Hein. Et ce jeu a des contrôles de merde et je n'arrive pas à y jouer. Alors, oh, bas, gauche, droite. Quoi? Oh. Quoi? Down. Quoi? Up, down, left, right. Regarde pas Anabès, n'ouvre pas les yeux! Start. Qui est? Un autre demi-dieu? X, Y, A, on va les mettre sur les gâchettes. Mais elle en fait des caisses, elle joue mal. Elle en fait, mais sans déconner. Il a une épée, mais il a sur 12 son épée, lui. Même mon chat ne comprend pas. Ah mais c'est... Il perd plus la... Oh là là, l'incrustation. Oh, ah bon. Je me rappelle pas de ça, bien sûr. Donc, j'ai refait les contrats. Et ça devrait aller beaucoup mieux. Un coup de main. Un coup de main. Ah. Laisse... Une épée rétractable. Ah oui, bien sûr, il la met dans son cul. C'est comme le tuyau de le tuyau d'évacuation d'eau de Cody dans Super Street Fighter 4. Hein. Puis-je le voir? Je n'ai pas l'éclair. Je n'ai pas l'éclair. Laisse-moi voir tes yeux. Mais j'ai pas envie, madame. Dis qu'ils sont plus bleus que le bleu de tes yeux. Ouvre-les. Sinon, mes chéris affamés vont devoir les ouvrir à ta place. Oh là là. Mais ce serait très dommage de détruire un visage d'une telle jeunesse et d'une telle beauté. Bouteille. Ah ouais. Reste avec non, moi. Non, non. Quoi? Tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir les yeux. C'est ouvrir les yeux. Alors le problème c'est que... Quoi? Est-ce que ça va? Ouais, ça va super! Alors est-ce que ça marche? Ça marche pas...
toi et moi on peut se faire du fric. Attention la tête. Elle a perdu la tête. Hé hey, les amis. C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Annabeth, t'as vraiment... Putain, mais il met 3 ans, vous faisiez une putain de fou. Merci. On devrait l'emporter avec nous. La tête ? Bah oui. C'est trop dégueu. Si on lui ouvre les yeux, elle pétrifie encore. Morte ou vivante. On sait jamais, un truc comme ça, ça peut être pratique. Ouais, t'as raison. Je suis désolé, moi, j'arrive pas les mecs. Enlève ta veste, on va l'emballer dedans en attendant d'avoir de la glace. Oh, pourquoi moi je dois enlever ma veste ? Parce que c'est toi le protecteur. Ouais, ben. C'est moi le protecteur. Alors voilà mon sweat à capuche, mais pas ma veste. Ça marche ? Mon sweat à capuche. Donne-moi ça, gros bébé. C'est dégoûtant. Vas-y, jette. Oh, le compteur. Putain, bif, le compteur, fais chier, quoi. Mais mec, attendez. Je pourrais arrêter avant, s'il vous plaît. Plus que les deux autres à trouver. Sympa que Luc nous prévienne pour Méduse. Peut-être qu'il en savait rien. Ouais, tu parles mon cul. Le GPS des dieux, prochaine destination. Le GPS des dieux. Ils ont pas fait ça quand même. Parc des monts de Nashville. Nashville ? Génial. La country, c'est ma musique préférée. Ah, les compteurs, j'ai oublié, il y a un compteur. Ah non, je continue, il s'arrête pas. On s'arrête pour la nuit, on s'arrête pour la nuit. Une bonne idée. Oh, c'est pas vrai. Ah putain de merde, reviens là. Reviens là, nourris-tu, burrito. Burrito, burrito. Je suis en train de péter un câble. Je suis en train de décéder. Non, dans l'autre sens, connard. Non, il pleure. Aucun enfant ne peut finir ce jeu. Salut. J'appuie dessus. Beau travail aujourd'hui. Non, mais j'en ai marre, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, cette pauvre dame qui a été changée en pierre. Elle avait une sacrée poigne. Mais elle n'est pas restée de marbre. J'appuie sur le bouton. J'appuie sur le bouton de la queue. Alors ? Pourquoi nos parents se détestent ? Ils voulaient tous les deux régner sur Athènes. Et le peuple a choisi Athéna. Ah bon ? Alors, nos parents se sont détestés depuis ce jour-là. Elle est comment, ta mère ? Je sais pas. Bonne. Je l'ai jamais vue. Quoi ? C'est comme ça pour tout le monde ? Est-ce qu'aucun dieu ne rencontre ses enfants ? C'est interdit. Bah ouais. Juste après notre naissance, Zeus a décrété que les dieux ne pouvaient avoir aucun contact physique avec leur progéniture mortelle. Oh, c'est une loi imbécile. Je suis d'accord. Encore que... Tout est fait entre nous. Et comment explique pourquoi il peut pas passer là, je ce connard d'éléphant ? Ma mère me parle quelquefois. Dans les moments difficiles, j'entends sa voix qui me conseille. Ça m'arrive à moi aussi. Ouais, c'est ton père qui s'adresse à toi. Eh oh, Percy ! Viens vite voir, il y a du vilain ! Et là, ça ne va pas passer. D'accord. Grouille-toi ! Il faut être au putain de millimètre ! Il faut être au putain ! Deux personnes portées disparues, Percy Jackson et sa mère, Sally Viano. Et dans leur famille, on a une théorie intéressante. Je m'accorde une clope. Alors, Viano, parlez-moi de votre fils, Percy Jackson. Quand j'aurai fini le niveau. C'est mon beau-fils. Ce garçon n'est pas le fruit de mes entrailles. Depuis qu'il a touché à la drogue et à l'alcool, il n'a plus jamais été le même.